La première question que les gens te demandent le jour où tu es coureur cycliste professionnel, est-ce que tu as participé au Tour de France? Et quand tu réponds oui, ils te disent « Ah ouais, tu as quand même participé au Tour de France ». Le grand tour de l'année le plus important, c'est toujours un honneur d'y être et une chance. La plus grande course du monde, prestigieux. Fierté parce que c'est la plus grande course du monde. C'est ce que je regardais quand j'étais tout petit à la télé. C'est la plus grande course que tout le monde veut faire un jour dans sa carrière. C'était un spectacle, c'était vraiment impressionnant. J'avais déjà participé à la Vuelta ou au Giro, donc c'est le Tour de France. Donc maintenant j'y suis et je suis vraiment content. Ouais, c'est un rêve depuis que j'étais gamin. Je regardais ça à la télé, j'allais sur le bord des routes. Donc être au départ, c'était forcément une fierté. On va dire que c'est un peu le Graal quand on est coureur cycliste de participer au moins une fois au Tour de France. J'ai pris du plaisir, je vais me rappeler toute ma vie de mes 26 ans. Kilomètre 118, la route est sèche. Allez mon gars! Et le plus combatif du jour, c'est un Breton au Pays Basque, c'est Laurent Pichon de l'équipe Arkéa Samsic et la des supporters. Et voilà ma petite framboise. Oh mon loulou. Un petit bouquet. Alors, bon. T'es pas trop fatigué? Un peu, mais bon, tu vas bien me donner à manger. Attends, ça va aller. Je vais descendre quand même. Ah, on s'est dit, on va jamais le revoir. Il est resté sur le plateau. Est-ce qu'apparemment bon. Il a tout le sport. Pas mal. Check. L'homme en forme du haut. Non. Ah si, regarde, c'est bon. Ouais. Oh la vache. Mais 31 degrés, ça va descendre. T'as hésité à un moment à y aller, non? J'ai regardé. Mais là, tous les mecs jouaient, ils tournaient. Il était à côté de moi. Tu dis Mathis, tu n'es pas de 34 là non? J'ai regardé tes jambes tourner, j'ai regardé les miennes, j'ai dit non. Allez, brief. Étape 4, Dax Nogaro. Ne vous sous-estimez pas vraiment. Tout est possible sur le Tour de France. Beaucoup d'équipes ont réalisé des exploits, et ben on peut en faire partie aussi. En marée blanche. Ah bon. L'étape qui m'a le plus marqué, c'est l'étape du Tourmalet avec mon échappée. Le Tourmalet, c'est vrai que passer sur des cols hors catégorie à plus de 2000 mètres en course, c'est toujours assez exceptionnel. T'as de la glace, Mathis, dedans. Le top en 16, Mathis, nouvelle. Très grand. T'as les couvert? Non, j'ai mal à la patte. Ah, deux jours de suite. Ils ont pas tenu le tempo, mais je pense qu'ils auraient peut-être accéléré au pied. Ah, oui. Mon gars, mais il est revenu à une vitesse. Je sais pas comment il a fait. Il est déjà là. Il a crevé, il était déjà là. Il est passé côté à Capel Néo. Go. Je dis, bah là, on va passer un sale quart d'heure. Là, on aura fait un tiers ce soir, les gars, du Tour de France.
déjà. Là, nous sommes à moins de 60 secondes désormais. Oh, merci, mec. Désolé, non, mais j'étais bien. Perdu, j'étais bien, je pouvais te lancer vraiment bien, mais ça va être de mieux en mieux, Luca. Et bien voilà, donc il est heureux, Simon, bravo, on peut l'applaudir très fort, un rayon de soleil. Ah, je fais 11e comme hier. Ah, c'est bien, c'est bien. Dépêche. Ça vaut le détour. Hein. Je pense que c'est tout, c'est le public, c'est les médias. C'est les coureurs, c'est les parcours, on passe dans des endroits magnifiques et c'est cet ensemble de choses qui fait qu'on ne peut pas reproduire ça ailleurs quoi, dans le monde.